Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans celle-ci, je vais descendre la semoie qui est derrière moi avec mon pack craft, mais je chargerai mon vélo dessus. C'est ce qu'on appelle le bike crafting. Et donc du coup, je vais descendre cette rivière et la remonter à vélo. Tout ceci pendant 3 jours, 4 jours et 3 nuits. Allez, on va préparer tout ça. Allez, c'est le moment de vérité, on va voir si ça marche mon truc. Ça a l'air de marcher, hein. On coule pas. Me voilà arrivé à l'endroit du bivouac de ce soir, donc c'est ici que je vais dormir. J'ai déjà mis mon tarp et mon hamac et mon sac de couchage, etc. Je vais pas tarder à me préparer à manger et je vais après vous emmener, tout de suite je vais vous emmener voir un truc un peu étrange. On va voir ça. Et donc juste à côté de l'endroit où je dors, il y a ça. Une maison abandonnée. Elle a l'air d'être abandonnée depuis un bon petit temps parce que il n'y a plus grand chose qui tient. Mais je trouvais ça assez, assez rigolo. Tout est éboulé à l'intérieur. Allez, la nature qui a repris ses droits. Alors vu que l'emport de poids sur le bateau est un peu limité, j'ai opté pour ces repas lyophilisés, qui ne sont pas des repas d'aventure, qui sont des trucs normalement pour faire de la malbouffe vite fait à la maison. Mais en fait c'est à peu près le même poids et le même nombre de kilocalories que ce qu'ils te vendent à genre 9 euros, que ce soit au Decathlon ou chez S-Adventure, c'est un peu les mêmes prix. Sauf que là c'est 2 euros. Voilà, donc je préfère ceux-là. Ils ont meilleur goût. Voilà. Et donc je vais faire chauffer ça avec mon petit système de réchaud à gaz là qui marche très très bien, extrêmement efficace. Et ce que je rajoute quand même pour un peu maximiser les calories, parce que ça fait genre 600 kilocalories, c'est pas non plus énorme, j'ai pris une petite motte de beurre. Et donc je vais mettre un petit bout de beurre avec, ce qui va rajouter du goût et des calories. Première journée, trop bien, c'était plutôt une demi-journée, mais bon, parce qu'il fallait le temps d'arriver, mais trop bien, j'ai vu plein de martins pêcheurs, j'ai vu plein d'animaux, des hérons, des canards en veux-tu, en voilà, des animaux que j'ai pas réussi à identifier, et je crois que j'ai vu une salamandre, mais elle était incroyable, quoi, jaune, pétante, et noire, je savais même pas qu'on avait ça ici, enfin, trop bien quoi, et les martins pêcheurs bleus pétants comme ça, enfin, c'était trop bien, trop bien. Et ben voilà, c'était la première journée, il y en a encore trois après, trop bien. Allez, on va reprendre des forces, on va s'allonger un peu et à demain.
J'ai assez rapidement replié le camp parce que il y a 10 minutes, j'ai entendu tirer. Donc, oui, la saison de la chasse a repris. Et comme moi j'arrive par le bas et que je ne sais pas exactement jusqu'où vont les zones de chasse, je préfère pas prendre de risques et lever le camp un peu en vitesse. Donc, j'ai pas fait des belles grosses images là pour se lever de camp, mais bon, je pense que tout le monde comprendra. Bon, allez, je vais me mettre en route un peu rapidement parce que. On n'est pas venu pour prendre une balle quand même. Hein. Alors voilà, j'ai plié le camp. Et puis petite blague, ça a failli poser pas mal de problèmes. Savoir que les roues de vélo sont accrochées avec ce genre de choses, une fixation rapide. Et en la regardant, je me rends compte qu'il manquait ceci. Et donc sans cette petite chose, il est strictement impossible de refixer correctement la roue. Comment je serais rentré ? Heureusement, je m'en suis rendu compte assez tôt. Je suis retourné en arrière et dans les hautes herbes, j'ai réussi à retrouver ceci. Donc, je suis sauvé. Mais entre les tirs de ce matin et ça, la journée est un peu stressante. Mais ça va aller. On va se détendre sur l'eau tranquillement. Mais fou! Et voici mon nouveau bivouac pour ce soir. Donc après avoir ramé très tranquillement toute la journée, j'ai décidé de m'arrêter ici et donc je me suis mis, mais voilà encore une fois, l'avantage du hamac tarp, c'est que c'est super en pente parce que, comme vous pouvez le voir, on est juste à côté de la rivière, mais la pente est quand même assez importante. Mais avec le hamac, pas de problème. Ouais, salut, il est 1h du matin. Et on va dire que ça souffle pas mal, ça a failli arracher le tarp, tellement ça soufflait. En plus de ça, il y a ma gourde qui s'est ouverte. Je l'avais prise dans mon hamac, erreur, faut jamais faire. Bon, bref, je l'ai prise dans mon hamac, elle s'est ouverte. Eh ben, sac de couchage a bien résisté. Mais j'étais attaché le bateau parce que ça souffle vraiment beaucoup. J'avais peur qu'il soit. Bon, il y a le vélo dessus, hein, mais. J'ai quand même été l'attacher, tout ça. J'ai été reprendre de la nouvelle eau dans la rivière. Enfin, c'était la petite balade d'une heure du matin. Me voilà arrivé au terme de la partie kayak.
J'ai déjà remonté le vélo qui est là-bas, qui attend. Et bah, j'attends paisiblement que le soleil se couche. Et voilà, la magie a opéré, j'ai transformé un bateau en vélo. Et donc regardez-moi ça comme si c'était pas hyper cool. J'ai pris les sacs étanches que j'ai mis de part et d'autre, mes bottes sont pliées là, les rames sont ici, autre sac étanche, mon petit chapeau, le troisième sac, et le bateau. Et tout ça, pouf, ça roule. Donc là maintenant, bah, y a une grosse montée à faire si je me rappelle bien. On verra un peu si mon arrimage tient parce que... Comment dire, ça c'est un peu artisanal. Hein. Mais bon, je suis trop content quand même parce que tout est rentré, nickel. Bon, on verra maintenant si ça tient. Ce serait pas mal quand même. Mais bon, bah, on va voir ça sur la route. Allons-y! Et donc on arrive au terme de cette aventure qui fut fabuleuse, riche en émotions, en expériences. Et donc j'ai montré quand même que c'était possible de descendre la Semois avec un vélo sur un packraft qui n'était pas du tout conçu pour ça parce que j'ai vraiment excédé le poids autorisé. Ça s'est très bien passé, tout était super et donc maintenant on va voir pour la suite. Allez, à plus pour de nouvelles aventures.